Bonsoir à tous. Madame Merkel s'est exprimée aujourd'hui au Parlement européen sur le projet Erasmus Europens, un projet qui a bouleversé toute l'Europe. L'Europens est un projet extraordinaire dont on parle partout en Europe. Les jeux de piste sur les discriminations, les colloques avec toutes les contributions des élèves sur des thèmes si importants comme la liberté, l'égalité, les droits de l'homme. Et pour finir cette œuvre de menuiserie, tout cela restera à jamais comme souvenir et témoignage du travail des équipes européennes. Du 6 au 11 mai, les équipes se sont rencontrées pour la dernière fois dans la belle ville de Bayonne du Pays Basque. Une rencontre très émouvante, au cours de laquelle les professeurs et les élèves ont fait le bilan de ces 3 années de travail. Ils ont terminé l'arbre de vie écrit sur les feuilles les valeurs du projet. L'arbre de vie est totalement construit en bois, réalisé par les élèves du lycée Louis de Foy de Bayonne, sous le contrôle de leur professeur Jean-Claude Hurman. Il est composé de 5 branches, une pour chaque pays ayant participé, et sur chaque branche sont attachées des feuilles avec les valeurs prônées par les jeunes participants. Vive le projet Erasmus, dessinez-moi une Europe, vive l'Europe!